Lyon In Studio. Microsoft Game Studio present. Il présente Seigneur Lito ou un mec de Dokito. Abusé. Une porte! Ah mon dieu, non! Pas de porte! Bah putain, c'était long tout ça. Tout ça pour fable, quoi. Ouais, mais bref. Bonjour le monde, ici c'est Nubiu et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Cette fois-ci consacré à Fables The Lost Chapters. Oui, Chapters, parce qu'il y a un S à la fin, ça fait Chapters. Bref. Donc on va commencer. Alors, pour vous dire un peu, j'avais déjà fait un petit peu du jeu, mais j'ai foiré ma capture d'écran, enfin ma capture de vidéo du coup, bah, je suis obligé de recommencer. Et ben, je sais pas encore commencer, donc on va faire notre profil. On va faire El Queso. D'accord. On va faire Queso Muerte. Ah, mais zut! Queso Muerte, me cassé. Oui, parce que voilà, hein, zut. Donc, on va faire une nouvelle partie. Et cette fois, je vous laisse avec la cinématique d'intro. Oui, il y aura beaucoup de cinématiques au début. Un petit peu trop, même, je crois. Bref. À tout de suite. Au cœur des forêts d'Albion se nichait la petite ville d'Oakvale, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. «
Ou un destin. Allez, hein. Il est moche et a des mains super trop grandes pour lui. Toujours la tête dans les nuages. Ah ouais, sa main fait quand même sa tête, enfin toute sa tête quoi, c'est pas... Bref, c'est pas grave. Donc, Fable 1, donc nous sommes ce petit garçon pour l'instant. Machin truc, oui. Oui, alors je connais par cœur maintenant, ça fait deux fois que je le fais, ça va. J'ai fait une fois la vidéo, je ne ferai pas deux fois. Hein. Non mais... Je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras. Oh mon dieu, c'est trop bien, une bonne action, oh là 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 là. C'est un merde cadeau. Vas-y, et évite les ennuis. Donc, notre première quête dans ce truc, c'est d'avoir trois pièces d'or pour acheter un cadeau. Non, poulet. Voilà. C'est un bien qui est absurde, non mais oh. Donc, notre ambition, je viens, c'est de trouver trois pièces d'or pour aller acheter des bonbons à ce truc. Ah ouais, là. Ah, c'est son anniversaire, là. Ah oui, j'ai pas de cadeau, là. Ah oui, j'ai des bonbons. C'est louche. Ah oui, je les veux. J'ai peur que tu n'aies pas assez d'or, mon petit gars. Je te demande que 3 pièces d'or. Et ta sœur va adorer. Souvenez-vous, ouais, moi, votre père vous donnera de l'or s'il entend parler. Comment tu sais? Ah oui, aussi. Ce qui est bien, c'est que tout le monde sait que c'est l'anniversaire à ma sœur que je dois acheter un cadeau. Mais tout le monde le sait, hein. Genre, ce gars là. Ce gars bug à mort. 3 minutes de jeu, il y a déjà un bug. C'est pas mal. Poulet. Oui, à chaque fois que je vais voir un poulet, faut que je shoot dedans. C'est vous verrez pourquoi. Non, en fait, je sais pas pourquoi. Et qui es-tu, toi? Regarde où tu vas. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? C'est le fils de Brom. Oh. Oui, quand j'ai vu quelqu'un, il est en rouge, du coup, ça devient un ennemi. Regarde. Donc, je peux taper, en fait, là. Qui je veux. C'est bien. Bon. Donc, cette femme cherche son mari. Oh là là, je ne sais pas où il est. Oh là là, non. Je vais chercher au hasard. Poulet. Voilà. Poulet, voilà. Juste un poulet, parce que j'ai envie de dire poulet, voilà. Donc, oh, je ne sais pas où est son mari, oh là là. Oh, bah tiens. Et si ta femme nous trouve? Ah, moi aussi, elle fait des bisous. Quand je suis parti, ah, ils se font des bisous. C'est pas très bien. Je n'ai jamais rencontré cette femme, c'est qui? Non, tu es juste une pelle, c'est pas grave. Tout ceci, d'accord? Non, je suis gentil. À la maison avec les gosses. Moi, je suis censé travailler. Mais oui, un homme devrait pouvoir faire ce qui lui chante. Qu'en penses-tu? Non. Je vais non. te dire, si tu gardes ce secret, je te donnerai une pièce. C'est de la corruption des petits gamins, ça. Non. Dis rien à ma femme. Tu ne me suis pas. Ne rien savoir de ce par ici, mon canard en sucre. Oh, canard en sucre, c'est grand romantique. Est-ce que tu m'aimes vraiment, mon petit roux doudou adoré? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mon dieu. Un canard en sucre, ça suffit pour... Ah, canard, poulet. Voilà. J'ai du mal à viser les poulets, c'est con. Je disais quoi au début? Je sais plus. Bref. Du coup... Mais je sais où il est, Thomas. Ah oui, le canard en sucre, ça suffit. La prochaine fois que j'enlève une fille, je dis que j'appelle mon canard en sucre. Juste parce que c'est là. Oui, je l'ai trouvé. Il est là-bas, dans le coin, en train de faire des bisous à quelqu'un. C'est pas très très bien. Attention. Merci. Oui, donc, pour le début, là, je te ferai gentil. Parce que ça sert plus tard. C'est très utile pour plus tard. On verra plus tard. C'est moi, la femme n'a même pas cherché. Ah si, d'accord. Elle a bugué aussi. Vite, va chercher ton mari, oui. C'est moi, t'as des rouflaquettes. Ah non. Des rouflaquettes. Madame, vous êtes là. Espèce d'ordure. Ouais, coupe les couilles. Vas-y. Coup de pied dans le cul. Coup de pied dans les couilles. Ah non, dans la chatte. Couille. Voilà. Y'a quoi, y'a rien, d'accord. Bon, voilà, en gros, voilà ce qui se passe. Voilà, madame est pas contente, monsieur. Monsieur va se couper les couilles. Monsieur castré. Oh, bon. Oui, t'as déjà dit ça, madame. Oui, t'as dit pour toi, oui. Poulet. Poulet. Bon. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Canard. Aïe, partez. Non. Vous êtes une grande...
Ah, oh, comment je suis trop tapé. Par contre, maintenant, regarde, tout le monde pousse. C'est ça. Ouais, vas-y, tu m'as trop eu, quoi. C'est vrai que je t'ai pas surtout dans son chemin, hein, c'est pas possible. Parce que quand même, son garde pour taper, la prochaine fois, je t'appellerai d'abord. D'accord. Amende, oh mon dieu, mais j'ai qu'une pièce, tu peux pas me l'enlever, non. Connard. Oh, comment je te traite, hein. Bref, deuxième bonne action que nous allons faire. Ici. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu n'as pas la tête où il faut, en fait, mon petit gars. Oui, il a raison. Tu pourrais lui faire un bon coup? Non, non, je suis pas d'accord à ça. Mais bon, je suis d'accord pour le taper. Vas-y, je tape, ouais. Oh, pardon, coup de pied retourné dans ta tête. Me frappe plus, s'il te plaît. Petit gars, fais gaffe, hein, t'es moche déjà. Hein. Bon, en fait, en même temps, ils sont tous moches. Merci de l'avoir. Mais lui, en plus, arrêté. Il a les dents complètement pourries, quoi. Je te laisse, Rosie. Non. Elle sera en sûreté. Ah, je crois qu'il m'appelait Rosie. Non, Rosie, c'est ma sœur. Ah oui, d'ailleurs, le héros n'a pas de nom. Vous verrez plus tard, le héros aura un surnom que tout le monde utilisera. Vous verrez lequel. Ça sera marrant. On verra directement après la fin du tuto, tout ça. Ah oui, dernière mission. Parce qu'on va faire ça, ça assez vite, hein, on s'en fout, pire. Bonjour, toi. Loué soient les dieux. Pourrais-tu me rendre un service, mon putain, gars? Putain, on dirait cet alchimiste. Je dois... la nature m'appelle. Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise? Cet alchimiste fait ça, en fait. Surtout, je placerai un mot en votre faveur, je reviens vite. C'est Seiya. Bon, et puis le gosse, elle va nous faire chier et dire « Ah, tu dois taper les trucs !» Non, mais cette tête, quoi, c'est pas possible. Cette tête, non, c'est pas possible. C'est moche. C'est ta mère, la fillette. Wesh, wesh, vas-y, je vais te taper, vas-y. Ouais, comme un arbre, hein, un poulet. Si t'as pas envie d'être gentil, frappe les poulets. Ouais, bah on peut casser les poulets. Casser le poulet. Casser le poulet. Non, casser le poulet. Ouais, c'est pas drôle de casser les poulets, c'est vrai. Poulet. Pull. Ouais, pull. Ouais, pull. Je pourrais faire ça des heures. Sérieusement, je pourrais faire ça des heures. Ouais, des bonnes actions, je vais te taper la gueule. Ouais. Qu'est-ce qui siffle? Qu'est-ce qui siffle? Qu'est-ce que c'est, toi? Je l'ai laissé, mais je sais pas où. Oh, c'est trop mignon. Mais je l'ai trouvé, un mignon petit ours en plus, avec une pièce bleue dans le dos. Oh, petite, perdu ton truc, allez, je te le rends. Tu l'as trouvé, Rosie? Merci. De rien. Changeons ton rembourrage, Rosie. Ah oui, c'est presque pervers. Dire avec une petite voix comme ça, c'est super horrible en fait. Excellent, tu m'as rendu un grand service. Pas de soucis, Seiya. Je dirai à ton père quel bon gars tu as été. Bon là, ça fait pas Seiya, c'est la première phrase qui m'a choqué, quoi. On en dit Seiya dans... Non, je suis du zoté gabrégé, quoi. C'est... Mon dieu. Poulet. Eh, hey, poulet, poulet. Pardon. Habituez-vous à que je dise poulet sans aucune raison. Surtout, elle est où la poulette, quoi? Avec Kaamelott, c'est trop obligé. J'ai donné notre parole, là, 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 oui, oh là. Les yeux sur ce méfait, tu te... Mais j'ai fait... Ah oui, je crois que j'ai tapé un mec, c'est vrai. Oh, ça va, il m'a fait chier. Je crois que tu dis... Il avait rien à faire. Fiston. Ah. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je dois acheter d'abord les bonbons avant de donner les bonbons. Ce qui me paraît assez logique au final. Oui, assez logique. Oh, le mur invisible. Oh, on peut même pas aller là, quoi. C'est les fauchards de la mort, c'est. On peut même pas passer à travers. LOL. Bref. Vas-y, fais-moi tes bonbons. Je les ai encore. Vite, donne-moi 3 pièces. En raison, tu les as encore. Oui, tu vas pas les manger, tu les vendais. Ils sont à toi, jeune homme. Ça peut compte, les manger, tu les vendais. De... Enfin, bref. Ah, tu dis chocolat avec un bon papier de crudo. Oh, oui. J'ai encore une pièce d'or pour aller voir des putes. Ouais. Pardon, c'est pas ça qu'il faut dire. Je suis encore un gamin, je peux pas aller encore arriver à une pute. Ah, c'est dur la vie. Bref, on voit notre sœur qui est au bout du chemin. Au bout du chemin, la 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 la. C'est pas du tout long, la 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 la.
je cours, la 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 la. Oui, il y a peut-être un chemin plus court éventuellement, mais zut, voilà, hein. Moi, je vais parcourir la ville comme je veux. Et voilà la sœur. Bonjour, oui. Petit frère. Bonjour, grande sœur, qui a la voix de quelqu'un que je connais. Comme l'an dernier. Oh putain, oui, elle est horrible. Comme l'an dernier. Salope de sœur. J'étais dans ce champ. Puis du coup, Rosy, c'est pas le. c'est pas elle, du coup. Mais on s'en fiche. J'attends toujours mon cadeau. Dis-moi. Arrête. Il manque du crève, toi. Je savais que tu m'offrirais des chocolats. Comme dans mon rêve. Oh oui. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Oh oui. C'est trop, trop bien. C'est tout? D'accord, bon, je me casse. Hein. Oh, 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 comment tu m'as cherché? Non, bah, j'ai pas tapé ma sœur. T'as pas tapé ça? Oh, comment elle est toute pourrie en fait. Oh, oh, c'est tout pourri. Bref. Et je peux taper ma sœur, sérieux? Sérieux, quoi, bref. Oui, je me barre. Attends, ah bah non. Il y a un problème. Et comment tu sais qu'il y a un problème, c'est pas encore oui. Des bandits, non? Des bandits, Banda. Ah. Mais quelle horreur! Ça, c'est voilà, 10 flèches, ça. Tu dois te cacher. Et toi, tu dois synchroniser la voix et la parole, parce que sinon, ça marche pas. Enfin, la voix et les lèvres, quoi. Parce que sinon, ça va pas aller. Quelqu'un. Et ben, vous allez dire que personne n'a vu le gamin caché derrière ça. Ben, c'est le gamin caché derrière des pylônes, non? Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt leurs corps jonchaient les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Il est seul au monde. Il peut se taire seul. Pardon, je vais pas chanter du Corneille non plus. Hein. Alors, donc, la ville est en feu et à sang. Le papa et son père est mort. La fille et sa sœur et sa mère sont enlevées. Tout ça à cause de lui. Parce que les bandits sont venus chercher lui quand même, hein, de base. Mais ça a pas l'air d'inquiéter plus que ça, hein. Regardez. Pas du tout inquiet du tout, hein. Regardez. Rien à battre. Genre, oh, je suis crevé, ça foutre. Bref. Oh non, papa est mort. Non. Vite, faisons une hippochabousse, mais si je connais pas ça. Oh là là. Un peu, je trouve ses mains démesurément grandes, quoi. Je sais pas si ça se dit démesurément. C'était des mains trop grandes, quoi. Ah, c'est méchant, bandit, bah non. Mais non, t'es mort. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Tous c'est qui morts. Pas sûr? Tu ne veux pas les rejoindre. Parce que si hein? Ce lieu est pas sûr, c'est qui pas sûr? Donne-moi la main. Ouais, c'était nul comme blague, je m'en fous. Non, fous mon père est mort. non, en fait j'aime pas trop la magie. D'accord, pas le choix. D'accord. Mais au bout d'un moment, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est pas grave. T'en veux pas, connard. Je vais un petit peu vomir. Allez.
Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as pas. Ben si, je vais combattre toi parce que tu. La vie. Je dis que j'aime pas la magie, toi tu fais de la magie, alors non. C'est la téléportation, quoi. Tu serais mort comme tous les autres. Ouais, mais ta gueule. Voilà. Non, parce que je suis héros, je serais pas mort. Ah ouais. Ouais, toi tu me plais pas. Ah, t'es naze. Tu as dû en entendre parler. Je m'appelle Naz. Bonjour. C'est pas drôle. Si tu veux non, revanche, mon foyer est en feu maintenant. C'est pas grave. C'est pas, hein. Non, pas envie de prendre entraînement. Enfin, pas trop. Voilà. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. Le maître de la guilde, il sera mon guide. Et non pas l'inverse. Pas même plus l'inverse. Oui, je pense que c'est juste à dire. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs comme ça, quoi. Avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Mais Naz est Naz. Suivez-moi, alors. Je suis trop drôle. Ah oui, il faisait penser à Alfred, le majordome de Batman, un peu. Enfin, un tout petit peu, hein. L'une de nos plus il a pas la même carrure, enfin, il est un peu petit, quoi. Pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Elle joue dans la... Pour l'heure, allez-vous reposer. Oui. Vous commencez demain. Non. J'ai pas envie, connard. On a envie de mes parents. Je vais pleurer. Voilà les seuls mots que dira le héros. Voilà. J'ai résumé un peu ces paroles, hein, parce que... On peut ne pas comprendre, hein, je comprends tout. Faut se réveiller. Tu dois être mon partenaire. C'est une fille, mais j'ai une voix comme ça. Je suis Rambo. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre. Et je fais un paquet de cigarettes par jour. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi? Non, mes parents sont juste morts, mais c'est vrai que j'ai bien dormi, c'est vrai. Il y en a qui tiennent pas une semaine. C'est ta mère qui tient pas une semaine. N'y va pas. Ouais, je crois. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. C'est la carte, c'est la carte. La carte. Oui. Ah non, c'est. Je suis la carte. Je sais plus la chanson de la carte. Oh mon dieu. Je suis la carte, C'est ça. Je suis la carte, Le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Bah, attends, et oui, non. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. D'accord, allons-y, je te suis. Non, tu... D'accord, en fait, elle est là depuis plus longtemps que moi, mais c'est moi qui dois mener la danse. Logique, quand tu nous tiens par les roubignoles. Pardon, c'est ça. Donc là, il y a un tavernier, enfin un aubergiste, mais on peut pas. Sans déconner, il y a des repas ici, oh là 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 là. Oh, moi j'ai utilisé la magie de Taz. Oh, fillon. Oh. L'ouragan de feu. Oh, ouragan. Pardon. Faudrait arrêter, hein. Peut-être qu'on continue un petit peu, pour éviter de faire des conneries. Donc on va s'entraîner un tout petit peu, oui. Où ça? Là-bas. Bonjour, maître de la guilde. Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller? Bien. Je t'emmerde. Très bien. Voyons un peu ce dont vous êtes. Je t'emmerde, et tiens. Vous tiens. Êtes prêt? Non, attends. Maître de la guilde. Allez, plus vite. Tiens, je te prends ta gueule. Hey, je te proute. Ouais, ça va, je suis prêt maintenant. J'ai pété, j'ai roté, c'est bon. Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Ça va, peut-être ça pas non plus, ça va. Je suis juste le plus gros héros de l'univers, c'est tout. Ce mannequin aussi fort. Je rêve d'ailleurs, ils sont immobiles, les gens. Continuez, je vous dirai quand arrêter. À part Whisper, là. Enfin, à part Whisper. Donc on va taper, oui. La 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 la. C'est très 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 drôle. Je t'emmerde. C'est ta mère qui est faible. Ta mère est morte, t'es trop vieux. Ma mienne aussi. Bon. Donc on va servir du bâton. Oui. Bâton de la muerte. Oui. Après, j'ai un bâton, quoi. C'est un peu mieux. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin,
Ah oui, des orbes d'expérience, oui. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors... Oui, on connaît tous, vraiment, je connais. C'est très important, sinon, vous n'apprendrez rien. Ouais, comme ta mère, ouais, pareil. Ça. D'accord, si tu veux. Voilà, j'ai ramassé ça. Bon travail. Oh là là, personne n'a rien vu. Oh là là. Nous pourrons... C'est l'alarme complètement bloqué à gauche, celle-là. Quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de... Je suis pas là. Regardez pas. Je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème. Quand vous aurez fini, nous parlerons de votre entraînement. Non, je suis pas là. Je suis caché. Ça, tu vas pas bouger maintenant, c'est bon? C'est bon, tu bouges? Oh mon dieu. Putain, il y a quelque chose qui m'intéresse. Hein? Une pomme! Ouais! Ouais, elle est trop fort. Et là-bas, il y a un coffre. Je crois que c'est un coffre avec des clés d'argent, je crois. C'est ça. En gros, pendant l'aventure, on aura des clés d'argent et on pourra ouvrir ces coffres-là. C'est tout. Et là, il en faut 20 pour ce truc. Donc, ça va être un truc énorme. Je pense. Il y a moyen. Donc, nous allons dans la forêt où nous allons combattre des choses. Oui! Oui, parce qu'il y a un truc dans la forêt. Qu'est-ce qu'on envoie? Le gamin qui vient juste d'arriver, hein. Oui, bah oui. Pas besoin de non. Pas besoin de plus. Utilisez votre bâton. Pourquoi? Pour te mettre dans le cul, halal. Ah mon dieu, c'est horrible! Des scarabées! Oh non! Oh! La musique de combat trop intense! Tu ne m'attaqueras pas! Bande de salopes! Je me lis dans le vide, je m'en fous! Oui! T'as vu comment ça queen? Des scarabées, quoi, c'est pas des. C'est pas joué, des. Garçon. C'est pas des voilà, quoi. Vous pouvez sortir des bois. On va sortir des bois. Oui, bah oui, je chante comme je peux, voilà. C'est tout, voilà. Prout, voilà. Tiens, moi aussi, après je vais vous prouter la gueule. Oh! Bref. Bon travail, je partais des conneries. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Oh, c'est vrai que battre en un coup avec un bâton, c'est vrai que c'est des vraies plaies, mon dieu. Oh oui, l'argent si de poche. Plus oui. D'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Non. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Bah je t'en viens maintenant, ça te dérange pas, hein. Voulez-vous de laisser votre enfance à vous et devenir apprenti? Oui. Dès lors, le petit garçon vécut pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Oakval le taraudait, mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice, ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde, ainsi que Maz l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer.